Comment vendre plus de produits et services en faisant des campagnes de vente flash et vendre beaucoup en peu de temps, même lorsqu'on ne sait pas comment s'y prendre, lorsqu'on n'a pas de grand e-commerce et qu'on est dans le business de services, de produits, de formation? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici, je vais répondre plutôt à 5 questions importantes que vous devez ici vous poser et trouver ces réponses pour pouvoir vendre beaucoup en peu de temps, vendre en faisant des offres de campagne flash. Et je vais tout de suite, dans un instant, vous dire en quoi ça consiste, comment vous y prendre. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Donc, si vous appréciez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est là, s'abonner, et ensuite de recliquer après sur la cloche qui va apparaître pour être informé de mes prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes déjà en affaires, vous avez des produits, des services, vous vendez des conseils par exemple, ou vous vendez des produits logiciels, vous vendez des services, ou alors vous vendez des formations virtuelles ou physiques, vous êtes conférencier, auteur, blogueur, en profession libérale, ou même peu importe votre activité entrepreneur, et vous vous demandez comment faire pour vendre plus en utilisant les campagnes de vente flash. Parce que vous voyez que les e-commerçants utilisent régulièrement ces grandes stratégies. Vous voyez les grandes sociétés comme Groupon, comme Amazon, comme Vente Privée proposer des offres flash en permanence. Quand vous allez sur les sites de réservation de billetterie pour une agence de voyage, comme Booking.com par exemple, vous voyez que ces stratégies sont appliquées. Mais vous vous demandez, est-ce que ces stratégies sont applicables dans votre industrie, dans votre business, et comment faire finalement pour pouvoir les appliquer simplement sans agacer vos futurs clients avec des offres perpétuelles et permanentes, et aussi pour obtenir d'excellents retours sur votre marché et de votre entreprise. Je vais vous partager donc ces 5 questions que vous devez absolument vous poser pour pouvoir ici jouer et prendre une part de ce marché qui est gigantesque. La première question, c'est quoi? En quoi consistent les campagnes de vente flash? Il s'agit d'opérations promotionnelles, d'opérations qui offrent un avantage important sur une période de temps très courte. Ça peut être une réduction ou un avantage complémentaire. Bref, c'est une campagne qui est organisée sur une période de temps très courte, quelques heures, quelques jours, grand maximum, qui permettent tout simplement de créer une vraie frénésie d'achat qui crée ici un événement puissant qui donne envie aux clients en peu de temps de saisir des opportunités auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé avant que les campagnes existent. La deuxième question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? Pourquoi est-ce que ces opérations fonctionnent si bien, fonctionnaient hier et fonctionneront même toujours demain? Et donc pourquoi vous devez ici absolument vous y mettre et commencer à découvrir les mécanismes qu'il y a derrière? Simplement parce que il y a des mécanismes de persuasion qui sont utilisés et qui fonctionnent chez tous les êtres humains. On a le cerveau qui est constitué de la même grande façon. On est dirigé par deux grands moteurs. L'être humain est dirigé d'un côté par la peur de perdre, et le désir de gagner. En d'autres termes, notre cerveau, sa grande fonction principale, c'est de vous éviter de perdre, d'avoir de la douleur, de la souffrance, de souffrir et d'attirer le plaisir, d'aller chercher le bien-être, le plaisir absolu. C'est sa fonction principale et tout ce qu'il fait, votre cerveau, de façon consciente et inconsciente surtout, c'est de maintenir ces deux grands objectifs. Et lorsque l'on crée cette frénésie d'achat, c'est-à-dire on montre qu'il y a un désir de gagner en profitant d'une promotion, d'une réduction ou d'un avantage complémentaire qu'on n'aurait pas à d'autres moments, ça crée premièrement cette envie de plaisir, ce désir très profond en ce moment-là. Et puis de l'autre côté, lorsqu'on sait que cet avantage ne dure qu'un temps, il y a cette rareté ou cette urgence, eh bien ça déclenche aussi cette peur de perdre qu'on a au fond de soi, cette peur de sentir mal, triste, dans un sentiment comme ça que l'on ne veut pas vivre, et donc ça psychologiquement tellement puissant que ça fonctionnait hier, ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera demain. Bien évidemment, j'insiste sur ce conseil et cette parenthèse, il faut que vos produits ou services soient vraiment de qualité. Cela veut dire qu'ils aident vraiment vos clients, qu'ils transforment leur business, leur vie, ou qu'ils les aident d'être dans un meilleur état avant les avoir vus, utilisés ou consommés. Ça, c'est une obligation parce que sinon, ce ne serait pas responsable d'utiliser ces stratégies puissantes pour proposer quelque chose qui ne sert pas vos clients. Donc voilà, la parenthèse est donc fermée. Troisième question, c'est le qui. Le qui, à qui ça s'adresse? Premièrement, il y a un double qui. Le qui, c'est votre client, votre futur client, le persona que vous avez choisi. Ensuite, le qui pour vous, l'acteur, celui qui va utiliser cette méthodologie. Et c'est là qu'il y a souvent
un manque de connaissances, un manque d'informations, un manque d'expertise que je voudrais éclairer pour vous aider. On pense souvent que ces astuces, ces stratégies puissantes sont réservées aux e-commerçants, les géants de l'industrie. Parce que bien, il fut un temps où c'était vraiment réservé à eux. Il n'y avait qu'eux qui savaient comment utiliser ces techniques, ces approches, les grands e-commerçants avec un grand budget comme Amazon, Groupon, vente privée et les utiliser dans leur business, dans leur industrie avec grand succès. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai découvert qu'on pouvait adapter ces mécanismes puissants pour vendre des formations, pour vendre des produits, des services, pour vendre des logiciels, pour vendre des événements, des ateliers, des produits physiques, pour remplir même votre cabinet. Si vous êtes en profession libérale, dans le milieu médical, votre patientèle, quand j'ai découvert ça, eh bien, ça change toute la donne. Parce qu'aujourd'hui, les petites, moyennes entreprises, des business qui démarrent ou qui n'ont pas la taille de ces géants multinationales, peuvent également utiliser ces mécanismes puissants. Donc le qui, c'est vous, c'est tous les entrepreneurs passionnés de liberté dans n'importe quelle industrie. Il y a toujours une façon d'adapter ces mécanismes quand on connaît la bonne approche, la bonne méthode. La question suivante, c'est le quand. Quand utiliser ce type d'opération et ces campagnes de vente flash? Une fois de plus, là, il y a un élément qui va lever le voile. Je vais lever le voile sur un manque d'informations qui n'est pas partagé régulièrement et qui parfois n'est simplement pas connu. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On pense souvent que c'est réservé pour des moments qui sont connus et populaires de tous parce qu'on voit les autres faire. Quand il s'agit de Noël, Nouvel An, quand il s'agit du Black Friday par exemple, tout le monde fait des opérations et donc on se dit « Ah, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire ». En réalité, si vous comprenez ce mécanisme dont je vous ai parlé au pourquoi, c'est-à-dire que ça fonctionne avec le cerveau humain de la même façon, bien ce cerveau humain va être effectivement engagé encore plus lorsqu'il s'agit des fêtes de Nouvel An, Noël, parce qu'il y a l'effet social. Tout le monde le fait, donc c'est bien de le faire. Mais en réalité, quand vous comprenez la puissance qu'il y a derrière ce mécanisme de persuasion, vous réalisez que le quand, c'est tout au long de l'année. Il ne faut pas donc attendre que ce soit les fêtes spécifiques où tout le monde le fait pour le faire. Vous pouvez créer, déclencher cette frénésie d'achat chez vos futurs clients tout au long de l'année lorsque vous savez comment le faire. Il y a des règles importantes à respecter pour ne pas paraître trop intrusif. Mais il faut bien comprendre, quand on comprend ce mécanisme, il faut pouvoir l'utiliser, on peut l'utiliser tout au long de l'année. Et je vais revenir juste après sur un conseil qui vous donnera, allez je vais le faire tout de suite, le conseil il est simple. Le quand, c'est ce qu'on appelle les stratégies des moments clés. J'appelle ça les moments clés. Tout au long de l'année, vous avez des moments clés et le grand secret, la grande astuce, la grande approche à faire, c'est simplement, vous avez besoin pour que ça fonctionne et pour que ça donne d'excellents résultats, pour avoir une autorisation de votre client de le faire régulièrement. Vous avez besoin d'une chose, c'est d'avoir, évidemment, au-delà du bon produit, d'avoir une bonne raison. Et quand je dis une bonne raison, je dis, je vais même faire plus court, une raison. Parce que la raison, même si elle n'est pas aussi valable que vous l'imaginez, tant qu'il y a une raison, c'est bon. Vous pouvez dire, pour fêter mon anniversaire, pour fêter l'anniversaire de notre acquisition, pour fêter, par exemple, ou célébrer tel événement, pour célébrer la journée de X, pour célébrer telle chose ou autre. Lorsque vous comprenez la puissance, vous pouvez comme ça, dans votre calendrier annuel, déjà commencer par les moments populaires que tout le monde ici suit et ensuite des moments moins populaires, adaptés à votre industrie. Dans chaque industrie, il y a des moments clés puisque, imaginez, vous êtes, par exemple, dans le domaine de la pêche, il y a peut-être des événements spécifiques. Ils sont liés à cette industrie-là dans l'année. Donc, dès le départ, dès le début de l'année, vous savez tout au long de l'année bloquer des moments clés. Et ensuite, vous savez en rajouter tous les 15 jours, toutes les semaines, lorsque vous savez exactement comment vous y prendre. Et puis, la cinquième question, c'est le fameux comment. Comment faire? Comment s'y prendre en pratique pour pouvoir lancer ce type de campagne et d'opération? Je vais simplifier le tout. Il vous faut préparer une belle offre. Ce n'est pas simplement un produit. Une offre, c'est un mélange de produits ou un produit changé, modifié. Il faut le rendre plus fort, plus intéressant. Ça peut être une réduction de tarif, mais ça peut être aussi une augmentation de bonus, d'offre, quelque chose de différent. Vous n'êtes pas obligé de diminuer, vous pouvez aussi ajouter. Et ça aussi, peu de gens l'utilisent et peu de gens le savent. Donc, une belle offre, bien sûr, un persona gagnant. Et puis simplement une proposition, un échange, une façon de saisir l'échange, de faire cet échange. Donc, l'argent contre la valeur. Donc, un site, une page internet, pas besoin d'un grand site, une page internet où vous pouvez délivrer un système de règlement et des campagnes email. Soit des campagnes email ou alors, si vous voulez, vous utilisez les réseaux sociaux, cette par stratégie-là. Si vous pouvez, vous faites la version simple et la version plus complexe, on peut ajouter de la publicité pour cibler et recibler ses clients pendant une période de temps très courte. Il faut avoir un calendrier, créer un objectif, ces différentes pièces-là, et puis faire fonctionner comme un chef d'orchestre qui voit exactement comment ça fonctionne.
Si vous avez apprécié ce que vous venez de découvrir et que vous voulez en savoir plus, savoir comment le mettre en place de façon encore un peu plus concrète, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai créé pour vous un atelier digital dans lequel je vais vous montrer pendant une heure et demie à peu près, comment utiliser ce système pour l'appliquer dès cette semaine dans votre business et de pouvoir générer un gros chiffre d'affaires en une période de temps très courte. Vous pouvez découvrir le lien qui est ici, le i comme info, ou tout indiqué dans la description. Vous recevrez l'invitation de ma prochaine session et vous pouvez, ici, vous pourrez comme ça découvrir l'envers du décor. Je lève le voile sur cette industrie géante qui a été réservée longtemps aux géants de l'industrie et qui aujourd'hui est rendue possible pour les petites, moyennes entreprises, pour les passionnés de liberté qui ont un message à partager, qui ont des idées à partager, qui ont des produits ou services qui peuvent faire la différence dans la vie et dans le business des autres. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec le pouce vers le haut au bas de cette vidéo. Vous appuyez comme ça le pouce bleu vers le haut. Ensuite, pensez à vous abonner, cliquez sur le bouton rouge s'abonner et laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et surtout comment allez-vous appliquer et quand allez-vous appliquer cette prochaine campagne. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger avec vous. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans l'atelier digital. Cliquez sur le i comme info où tout est indiqué dans la description. C'était Zico Kiax. Merci